de la tarika donc de, les voies de, du combat de l'ego. Nous avons terminé le, les 17 manifestations des, des mauvaises manières qui habitent le, le serviteur et nous allons passer maintenant aux 10 étapes pour être mouride. Et qui, va, qui vont ces 10 étapes vont commencer par ce que nous appelons euh, hijra, donc l'émigration, l'émigration, et, la, et la, la, la méditation. Et la véritable émigration, comme a fait le prophète sallallahu lorsqu'il a quitté euh, Makkah pour aller à Madine, hein, c'était une émigration, mais qui était doublée d'une émigration spirituelle, qui est celle qui est demandée euh, aux serviteurs euh, donc de migrer. Pas de façon matérielle de changer de pays ou de changer d'horizon car cela est à la portée de tous mais l'émigration d'un caractère vil vers le caractère noble et accompli donc un changement intérieur comme le prophète sallallahu a effectué sous la gouverne de Sayyidina Jibril alayhi salam et par la suite comme il a enseigné à ses compagnons de de purifier leur caractère et de changer leur état pour pouvoir passer de l'état de la corruption à l'état de la pureté, de l'état de l'obscurité à l'état de, de l'illumination. Et donc, lorsque cette, immigration, cette migration s'effectue, alors le serviteur va, euh, va également utiliser l'état, l'état de méditation, l'état méditatif ce que nous appelons couramment dans dans, dans le jargon des tariq al-muraqaba donc l'état méditatif Maulana Sher explique ce que c'est que le que cet cet état là euh, qui nous permet de de l'utiliser pour faire une espèce de d'ascension sur sur des marches et atteindre certains états mais il rappelle que cet état méditatif n'est pas une fin en soi, c'est un outil, et que c'est un outil qu'on utilise pour arriver à certains endroits, et que lorsqu'on arrive à certains endroits grâce à cette méditation, euh, il y a bien entendu au-delà de ces états, au-delà de ces états de plénitude, il y a une infinité d'autres états. Donc le serviteur ne doit pas penser qu'il a atteint quelque chose ou qu'il a atteint... Euh, qu'il a atteint une station particulière. Donc voilà bon, le cher explique que la Murakaba euh, n'est pas quelque chose de, de tangible, c'est pas quelque chose que l'on peut toucher. c'est une, une sorte de requête, une sorte de prière et elle est universelle hein? et elle est une, une forme en fait une forme de pensée et étant universelle, la pensée également est universelle, tout le monde est à même, de, de, penser, tout le monde est à même de, de méditer. Et donc ce n'est, comme il le rappelle, ce n'est pas quelque chose que l'on acquérit, mais c'est plutôt un moyen que l'on va utiliser pour acquérir autre chose. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tafakkur sa'atin khayrun min ibadati saba'in sanatin. Donc il a dit, une heure de contemplation, donc le tafakkur, a plus de valeur que 70 années d'adoration pour nous rappeler l'importance de cet état méditatif et ce qu'il a accordé à cette, à cette méditation chez le serviteur. Et Maulana cher rappelle qu'il faut quand même comprendre, parce qu'il y a parfois un mélange, surtout avec certaines traditions orientales, que c'est un état que l'on utilise, c'est une fonction que l'on utilise, c'est un processus que l'on utilise pour avancer, et ce n'est pas une fonction que l'on utilise... Euh, comme un exercice euh, régulier et un exercice stable, comme nous avons par exemple lorsque nous avons la prière, où nous avons la, 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 le zeker, où nous avons euh, la lecture de Coran, où nous avons et ainsi de suite. Non, c'est un état qui vient euh, de façon ponctuelle ici et là et qui tout permet d'ouvrir une porte vers une ascension, d'ouvrir. À un état qui est de, de monter, de gravir sur une échelle spirituelle. Donc Maulana rappelle effectivement que quel, quelques personnes, surtout aujourd'hui dans le monde de l'ignorance, peuvent euh, attaquer et euh, nous, nous critiquer sur l'utilisation du mot méditation. Pourtant, il est mentionné dans le Saint-Coran, dans, Saint dans la Surah tarad, et où Allah il dit en vérité, il y a là des signes pour ceux qui méditent. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors lorsqu'il revenait d'un combat, euh, d'une bataille avec les compagnons, hein, c'est ce fameux hadith sur le travail intérieur, leur avait dit, maintenant, nous allons passer du, du petit djihad au grand jihad. » Et le grand jihad était donc la lutte contre l'ego, la lutte contre cette dimension intérieure à nous, qui est... Euh, la lutte qui est un état de contrariété que l'on doit imposer à notre être intérieur. Hein? Comme il disait, euh, c'est la grande chère Abdullah Faizad donc la tariqa, c'est euh, d'avaler les controverses en permanence. Donc les controverses sont toujours les situations qui sont, euh, comme on dit ici, on a cette, cette expression, malaisante les situations qui nous dérangent, les situations qui nous mettent dans un dans un inconfort et qui nous mettent toujours, euh, qui viennent nous, nous déranger, qui viennent brasser un peu l'ego et ô combien nous en avons et elles sont importantes car c'est là dedans que se forge un peu, le, on dompte le, le le caractère de de l'ego et donc cette méditation, il faut également, mon cher il met en garde, il faut faire attention à ne pas euh, se, se attraper de la fierté parce que nous sommes en train de méditer comme cela arrive où on a l'impression peut-être parfois euh, d'atteindre certaines choses et d'arriver à un état euh, particulier. Et surtout, euh, il faut dans la ribade, hein, et c'est important, lorsqu'on fait un tel exercice, ce n'est pas également pour pouvoir euh, espérer une station ou un état ou une chose en retour. Ceci est un, ceci est un, un processus excessivement dangereux. C'est un processus subtil, surtout sur les chemins de tariqa et particulièrement dans la tariqa naqshbandia où les mâchères, toujours, ils nous, ils nous rappellent à cela. Hein? Par exemple, certains individus Vont faire leur adoration, vont faire leur ibada et vont faire également euh, leur, leur muraqaba, leur méditation en demandant Ya Rabbi, accorde-nous la présence divine. Il a dit les Aoulias jamais ils ne vont aller pour demander une telle chose et pour demander une, une, une telle euh, récompense sur leur effort. Ils vont demander le rida d'Allah ils vont demander toujours la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire, sans, sans rien réclamer, ils espèrent simplement que Allah est satisfait de ce qu'ils font. Et mon Cher rappelle l'anecdote de la feuille morte. Donc, ils doivent être détachés de tout désir, de toute volonté euh, d'accomplissement, excepté de se laisser porter par la, la volonté d'Allah et de ne pas essayer d'avoir une emprise sur euh, leur décision, mais plutôt d'être sous le contrôle d'Allah. Et donc, pour cela, il ne faut aspirer à rien euh, durant, durant la méditation et euh, avoir cette intention profonde en disant « Ya Rabbi, je viens à toi en ne sollicitant rien et espère ton, ta satisfaction et ton plaisir. Ô oh, mon Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Ma religion est la religion de l'amour, l'amour d'Allah, l'amour du prophète. » Alors, Moulana Sher parle souvent, il nous rappelle que on va parler de cet amour de façon euh, un, peu, un peu ignare aujourd'hui et euh, les gens vont parler d'amour inconditionnel, mais très souvent on ne comprend pas ce que c'est que cet amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel est, comme son nom l'indique, un amour sans condition, donc un amour de tous. Un amour de tous, ce qui est difficile pour nous, car nous avons toujours des préférences par rapport les, les, les uns aux autres. Et euh, il faut se rappeler donc que tous les humains devraient être égaux à nos yeux. Et euh, donc, Maulana Sher va rappeler qu'il y a une certaine numérologie également dans, dans, le, dans ce que nous allons acquérir. Donc, un groupe de 7, un groupe de 4 et un groupe de 9 qui vont se répéter euh, de façon systématique. Et le groupe 2, c'est une arithmétique fondamentale en spiritualité. Le groupe de 4. Il va rappeler que nous allons commencer par une évolution de, de quatre états. Donc le secret, le secret du secret, le caché et le plus caché, qui sont des euh, les manifestations que l'on va retrouver dans, dans les mystères du cœur. Et euh, par la suite, dans un hadith aussi, le prophète alayhi wa sallam, va... Euh, Allah Azzawajal va s'adresser au serviteur lorsqu'il dit Lorsque mon serviteur commence à, à s'approcher de moi avec des actes d'adoration volontaire, alors je commence à l'aimer et euh, lorsque je l'aime particulièrement, je serai les oreilles avec lesquelles il entend, les yeux avec lesquels il voit, euh, la bouche avec la langue avec laquelle il s'exprime, les mains avec lesquelles il agit et les pas avec lesquels il avance. Et Maulana rappelle que là-dedans, il, euh, il y a une combinaison de sept qui sont les deux yeux, les deux oreilles qui constituent quatre, la langue cinq, et les deux bras qui sont un à la fois et les deux pieds un à la fois, cette combinaison de sept. Et euh, par la suite, euh, Maulana Cher va nous rappeler que nous allons par la suite euh, parler des neuf points. Qui sont représentés par les linéagrammes. L'inéagramme est, un, est un, une espèce de, de diagramme spirituel euh, qui euh, a été donné notamment à Sayyidin Suleyman, alayhi salam, parce que c'est deux, 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 triangles, deux triangles qui rentrent les uns dans les autres et qui rappellent la connexion de l'univers spirituel et de l'univers matériel qui est au niveau de l'humain et avec les points les points les points subtils de l'humain donc ce qu'on appelle les lataif. Et donc, notamment parmi ces points subtils, il y a une série de neuf qui sont au niveau de ce qu'on appelle les neuf lataif, euh, au niveau de la poitrine, qui sont en fait sous le contrôle de neuf saints. Et le, le, en tant que musulmans, Allah Azawajal nous a imposé de faire de faire nos ablutions et de faire ces ablutions là. Euh, commence toujours pour le serviteur pour pouvoir se purifier et se détacher de ce monde et se purifier de toutes les souillures de ce monde physique ou spirituel alors le serviteur va commencer par faire ses ablutions en, en utilisant ses mains en frottant ses mains et en passant notamment entre les doigts hein, aujourd'hui cela tombe à propos parce que très souvent on oublie lorsque les, les ablutions sont faites chez les musulmans on oublie qu'il y a également le passage entre les doigts, ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, qui nous est rappelé par cette pandémie qui est en train de frapper, où on nous, on nous enseigne à nouveau comment se laver proprement les mains. Et donc, dans cette, dans cette ablution là, il y a une manifestation dans la main droite et dans la main gauche, où est-ce qu'on a les chiffres 18 et 81 qui sont euh, dans, dans, dans les chiffres arabes, qui sont manifestés sur ces mains. Et donc, Moulin, un cher rappelle que cela est une manifestation du 18 et du 81 qui, additionnés l'un à l'autre, donne 99 et donc est, est activé lorsque le serviteur commence à se préparer, une espèce de code qui manifeste une lumière des attributs divins qui descendent sur le serviteur. Mais dans cette numérologie également, le 8 et le 1, donc sur chaque main, puisqu'on a le 1 et le 8 qui sont représentés par la forme de nos doigts, le 8 et le 1 additionnés ensemble, donc donnent, donne le, le fameux 9 de nos accès spirituels qui sont contrôlés par des Aulia, Et le 9, lorsqu'il va faire sa migration pour le chiffre suivant, il retombe sur le 0, donc il retombe sur, sur l'annihilation. La, et donc, cette migration, Maulana Sher va, va nous parler de la, la migration du caractère et la direction, donc la kibla vers lequel les serviteurs se tournent. Hein il rappelle que le musulman, où qu'il soit sur terre, où qu'il se déplace, où qu'il où qu'il voyage, où qu'il s'établit, il y a toujours un référentiel de référence vers lequel il va se tourner. Et ce référentiel de référence, c'est bien entendu la kibla. Kaaba Sharifa, Beitullah, la maison d'Allah, qui est à Makkah. Et cette Kaaba est le sanctuaire des sanctuaires. Le Masjid al-Haram, comme Allah Azza wa Jalla, dans Surah Al Isra, va nous rappeler son nom. Et cette Masjid al-Haram, et comme son nom l'indique, euh, Haram, donc le, le, le cercle de l'interdit, est le sanctuaire des sanctuaires dans lequel les serviteurs donc, doivent apprendre à, à rentrer et à se purifier. Parce que le sanctuaire de Makkah, euh, il, il porte ce nom parce que c'est le, le lieu où les serviteurs vont rentrer et se détacher de toute chose excepté leur Seigneur. Et c'est le lieu également où il est dit. Le, 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 ma chère nous enseigne, le prophète alayhi wa sallam, a rappelé que partout où l'humain est sur terre, il, est, ce sont ces mauvaises actions qui sont transcrites par l'ange qui écrit dans le livre. Hein, parce que nous nous rappelons que nous avons deux anges, euh, quelqu'un posait la question aujourd'hui nous avons deux anges, un sur la droite, un sur la gauche, celui qui écrit les bonnes actions. Et celui qui écrit les mauvaises actions, celui-là, il écrit tout de suite les bonnes, mauvaises actions. Celui-là, Allah azawajjah lui a ordonné d'attendre avant d'écrire les mauvaises actions. Si jamais le serviteur, tout de suite, après sa mauvaise action, euh, allait pour se répentir, alors peut-être qu'il n'écrirait pas pour favoriser euh, spirituellement, euh, pour favoriser l'accomplissement du serviteur et pour rappeler au serviteur que... Il doit toujours être sur l'état du repentir lorsqu'il sait qu'il est faible et qu'il il flanche. Et donc euh, c'est c'est les anges. Nous en avons deux, un qui écrit le bien, un qui écrit les mauvaises actions. Mais nous avons également deux anges protecteurs, hein, bien entendu. Et donc celui qui écrit ici. On dit que quand on, on rentre dans le sanctuaire de, de Makkah, même les, et qu'on arrive dans le haram, donc dans, dans le cercle sacré, même les, les intentions sont, sont transcrites. Donc quand on a des pensées et on a de mauvaises intentions, si elles ne sont pas arrivées à action, parce qu'on est dans un cercle de pureté intégrale, là, alors c'est plus dangereux pour le serviteur parce que également ceux qui traversent son, son intention se retrouvent confinés dans le dans le livre. Donc, personne ne doit y avoir de pensée négative et ne doit y avoir de, de, pensée, de pensée corrompue. Donc, on doit veiller également à toujours être dans un état de purification de corps, d'esprit, mais également de cœur. Donc, il existe bien entendu plusieurs niveaux d'accomplissement. Et nous devons dépasser notre état d'ignorance pour pouvoir s'élever nous instruire et nous, réduquer, nous éduquer dans le compagnonnage des gens de la vérité. Donc là, nous arrivons à ce principe fondamental qui est important d'accompagner les gens de la vérité, comme nous avons vu euh, sur le travail de ces mauvaises manières-là. Alors nous, avons a, nous allons avoir besoin d'aide, l'aide des gens d'Allah, l'aide des machers, l'aide des 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 moschides, des, des des, des donc des, des entraîneurs, des guides. Et donc, cela fait référence, Boulana, il nous rappelle, lorsque Allah azawajal dit dans la surah Tauba, Bismillahirrahmanirrahim, « Ya dina amanu itakula ma asaditim. Vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Hein, les véridiques dans leur compagnonnage pour qu'ils arrivent, pour qu'ils vous prennent, polissent votre cœur. Euh, car le cœur poli du, du serviteur croyant en véritable alors devient le réceptacle des bénédictions et de la manifestation de la lumière céleste. Et donc, su suivre ces véritables leaders a été rapporté par le prophète, pour nous rappeler, des, des leaders qui reflètent votre comportement, caractère et personnalité seront nommés pour vous, pour vous gouverner. Comme il est rapporté par Ibn Najash. Donc, c'est, c'est important cela. Nous utilisons très souvent ce, 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 ce hadith pour rappeler l'état de gouvernance de nos, de nos sociétés, de nos civilisations. Hein, Lorsqu'on voit un gouvernant qui est corrompu, on rappelle que la nation, le gouvernant reflète en fait l'état de la nation. Et quand Allah Jal nous rappelle que lorsque vous voyez le gouvernant qui est corrompu, Regardez votre propre état, améliorez votre état, alors Allah changera ce fameux gouvernant. Donc, en d'autres termes, vous serez gouverné tel que vous êtes. Mais ce, ce hadith est également à connotation spirituelle, qui veut dire que celui qui a le désir d'une quête et qui cherche un cher et qui cherche un murshid et qui va aller s'attacher à un murshid exceptionnel, alors cela veut dire. Qu'il a dans, son, dans, sa, dans, dans le couronnement de son être un attachement avec ce mouri. Hein, c'est excessivement important. Si vous avez choisi un cher comme Maulana Sheikh Nazim, si vous avez choisi un cher comme Maulana Sheikh Isham, c'est parce que ce cher reflète en fait l'état de votre caractère fondamental. Et ceci, Mashallah. Quelle bonne nouvelle, qu'Allah Azawajal nous rende éligibles à cette, à cette bonne nouvelle-là. Alors, un cher ou quelqu'un qui dirige ou qui guide doit être connecté au prophète. Sal là, la là, va élaborer légèrement sur les caractéristiques du fameux cher. C'est important parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chers. Donc, il doit y avoir une connexion d'ordre spirituel à travers ce qu'on va appeler une lignée de maîtres qui ont, qui, ont, euh, euh, transmis, qui ont transmis le savoir, qui ont transmis dans la connexion de cœur, dans ce qu'on va appeler dans les ordres, dans les tariqas la silsila. Et, par exemple, pour nous, dans la tariqa Nakshuvendi Atil Aliya, nous disons le, le dernier cher qui a hérité de cette station spirituelle. C'est Nasher Mohamed Nazim al-Hakani. Alors, il a hérité sa réalité de Cher Abdullah Fayza Daghistani. Et le secret et l'autorisation, il y a eu une transmission d'un secret spirituel qui lui a hérité de Cher Sharafuddin Daghistani. Et si on remonte comme ça, à travers 40 chairs on arrive jusqu'à c'est Nassalman farisi Cher Abu sadir qui a hérité du prophète wa Salam, le fameux secret de cette guidance spirituelle. Qui lui a été accordé dans euh, Thor, donc dans la, dans la, dans la caverne, caverne de Thor, lorsqu'ils essayaient de s'échapper avec euh, Sayyidina Aboubakr hein, là où il y a eu le fameux événement où l'araignée la, est venue ouvrir la porte et les tourterelles, euh, ce sont les, les tourterelles se sont, se sont mises devant la porte pour protéger le prophète wa sallam, dans sa fuite. La fameuse baira d'initiation. Qui est donné également lorsque les gens viennent à l'Anarchubandi, a eu lieu la première fois dans cette, dans cette caverne. Donc, Baolana Hacher, Ba'ulan Kisham, nous, nous rappelle que euh, le cher véritable n'est pas simplement euh, n'importe qui il doit avoir une autorisation d'une lignée à être un cher, un mouchid, un guide véritable, et pas simplement à euh, être le représentant d'un cher ou à diriger le zekr parce qu'il nous rappelle, tout le monde peut diriger un Decker. Mais il n'est pas donné à tout le monde d'avoir l'habilité de guider, de donner des conseils. Et euh, il, il existe alors pour, pour cela six pouvoirs euh, qui sont nécessaires et qui sont ouverts euh, dès, le premier, euh, dès le premier niveau euh, de disciple. Alors ces pouvoirs, euh, ne sont pas présents chez les individus tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas de véritables disciples. Hein. C'est ces fameux six pouvoirs qui sont donnés au cœur et qui ont été donnés à toute l'humanité. Maulana bon, Cher nous rappelle toute l'humanité a eu ces fameux six pouvoirs, chaque enfant d'Adam, mais pour pouvoir les activer, les ouvrir, alors il faut passer à un état de purification et d'accomplissement. Car leur, 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 réalité est telle qu'il faut être digne de confiance, il faut être certifié avant qu'on nous les accorde pour ne pas créer de dommages avant. Alors, ces fameux six pouvoirs-là, bien entendu, sont Hakikatul Jazba, Hakikatul Faid, Hakikatul Tawajud, Hakikatul Tawassul, Hakikatul Taï, Hakikatul Donc, ces fameux six pouvoirs, le pouvoir d'attraction, donc où le cœur est capable d'attirer, de par son pouvoir, les, les serviteurs euh, vers lui pour pouvoir les, les guider, pour pouvoir leur redonner quelque chose. Le pouvoir, euh, Akikatu fai, de d'attirer, de, de, de recevoir les bénédictions célestes pour pouvoir les redistribuer. Akikatu Tawaj euh, joue celui de pouvoir, euh, le pouvoir de, de concentration et de se concentrer en direction d'une personne particulièrement surtout pour, pour la guidance, mais également pour la guérison spirituelle. tawassul euh, » donc le, le pouvoir de l'intercession, qui, qui est de, de ce fameux principe qui a été accordé au prophète, qui est l'intercesseur suprême, qui a été accordé au prophète, mais à quiconque, à quiconque Allah dit, euh, à quiconque il a donné cette autorisation euh, d'intercession. Et tay » Donc, le pouvoir de déplacement dans, dans l'espace. Hein. Nous allons le voir par la suite, cette capacité euh, de se déplacer euh, et d'être présent à différents endroits et de courber le temps euh, pour pouvoir se déplacer. Et Akekatul Irshad, donc finalement, le pouvoir de guider. Donc, au premier niveau de disciple, on, on verra, c est, c est, c est, on, on recevra la manifestation. De ces, de ces six pouvoirs-là, donc le, le véritable mouride. Nous nous souvenons que le mouride, c'est le disciple accompli, car il y a ces quatre fameuses étapes. Nous avons les amoureux qui vont devenir des débutants, qui vont rentrer dans la fonction de disciple et par la suite s'asseoir sur le, le disciple qui, qui commence véritablement son cheminant, le mouride. Hein donc, un, un terme qui est galvaudé malheureusement aujourd'hui tellement facilement par tel de, tellement de gens. Alors imaginez que beaucoup de gens sont encore à l'état d'amoureux, ne sont pas arrivés à l'état de débutants, ne sont pas arrivés encore à l'état de disciples et ne sont pas des mourides. Pourtant, dès qu'on leur a confié une responsabilité ou une position, ils sont encore à l'état d'amoureux. Ils prétendent être des chers et ils ne sont même pas. n'ont même pas fait les quatre chemins d'évolution. Euh, deux, pour arriver et s'asseoir dans la chaise du, du mouride, du disciple qui commence véritablement son chemin. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous garde. Alors, comme il dit Sher, et c'est ce qu'il dit par la suite, comment peuvent-ils être des guides véritablement tous ceux qui prétendent Ils sont très souvent des conteurs d'histoire. Et c'est facile d'être des conteurs d'histoire, qu'Allah nous pardonne et pour le conteur d'histoire aujourd'hui qui vous parle. Hein je n'ai pas la prétention d'être un cher ou de faire la guidance, je fais les commentaires de la part de chers autorisés, qui nous ont autorisés à vous faire ces commentaires-là. Une fois, c'est Nacher Abou Yazid et euh, de, de Bistam, qui est l'un des chers sur la Silsila narchebandi Taifour, il est le sixième cher dans la Silsila, euh, il fut... Euh, arrêté par les gens. Vous savez, il était toujours dans des situations controverses et, et controversées et on l'embêtait souvent et pour son plaisir car il se laissait porter comme, comme la feuille. On disait, il a, il a, on ne sait même plus combien de fois il a été chassé des villages, il a été battu, il a été lapidé et jamais il ne s'est plaint à son Seigneur. Et cette fois-ci, il l'avait arrêté, il fut condamné à être exécuté et donc, ce faisant, on le conduisit euh, euh, sur sur l'autorisation du, du du roi euh, par les, les, les à, à cheval on l'a amené et on devait l'amener euh, chez le roi et c'était loin de, de là où demeurait ce roi et finalement le roi vit le prophète sallam, un rêve qui l'avertit de l'arrivée d'un de ses walis hein? et donc le roi se réveilla hors sursaut mais ne prit pas sérieusement le rêve. Il se rendormit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam venu à nouveau encore dans son rêve pour lui rappeler. Et là, il se leva. Donc, il, le lendemain, il partit avec ses ministres à la recherche de, de celui qu'on devait lui apporter qui était, euh, était l'invité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était à sept jours de marche de distance. Et donc, lorsqu'il atteignait il ses Abu Yazid Bistami, il le libéra de ses chaînes, il l'assit sur son cheval et il marcha à ses côtés pour revenir jusqu'à jusqu jusqu son palais. Hein. Quel gouvernant aujourd'hui aurait cette, cette largesse de cœur-là de faire confiance, d'être croyant à ce point et d'honorer quelqu'un qui était condamné parce qu'il a vu le prophète alayhi wa sallam, en rêve hein. Et donc, lorsqu'il arriva à son palais, euh, il, 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 il prit soin énormément de cher Abou Yazid Bistami, mais comme c'était un, un invité très précieux, il le fit rentrer et l'amena dans, dans, dans une suite très privée en demandant que personne n'ait accès pour que personne ne sache que ce, que ce cher était là. Euh, pour qu'il n'y ait pas de, de controverse, quel que ce soit. et très rapidement, alors, euh, les gens sont venus en grand nombre, les mourides, et les, 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 les gens qui, les disciples de Abou Yazid bistami, sont venus par centaines au palais. et là, le, le souverain était étonné. il a dit, mais comment cela se fait-il que vous êtes arrivés ici? qui vous a donné cette, cette information là? il est rentré ici incognito. J'ai bien donné des, des règles et des mesures pour que personne ne sache, et il était caché. Alors ils dirent nous sommes venus ici car nous avons suivi ses pas, et nous étions à mesure de voir des empreintes de lumière que nous avons suivies venant d'est, d'ouest, du nord et du sud, et ces empreintes de lumière qui nous ont amenés à ce palais-là. Alors, mon cher, nous rappelle que ça, ce sont des histoires qui sont arrivées. La spiritualité, ce n'est pas, pas, un mythe et ces fameuses histoires-là. La sainteté n'est pas un mythe et le pouvoir de guider également n'est pas un mythe. Donc, il est important de se connecter à un véritable Cher. Si vous vous connectez à un Cher qui est pieux mais qui n'a pas encore atteint son, son degré de, de sainteté accompli et son état de perfection, alors Molena Ma Cher nous rappelle que vous allez donc, marcher au lieu, au lieu de voler, bien entendu. Et lorsque vous possédez ces six pouvoirs-là, donc, vous commencez à parler à certaines personnes équipées de, de récepteurs. Et c'est à ce moment-là euh, que euh, vous devenez donc une source. Vous ne faites pas simplement que transmettre l'information, mais vous devenez une source et de votre canal émane Quelque chose qui est, qui est à vous. On se souvient de ce que euh, Maulana Nazim avait dit lorsqu'il parlait, euh, parlait de Sheikh Isham une fois. Hein, C'était à Chypre. Il disait, en pointant à Sheikh Isham, et ça c'est pour tous les, les, les jeunes et les immatures et les détracteurs qui, qui ont osé, euh, qui ont osé euh, à la fois se moquer et manquer de respect à Sheikh Isham. Et ils ne se souviennent pas de tout ce que Maulana Shernazim a dit à propos de lui et de ce qui lui a été donné. Et cette fois, il disait hein, euh, Il n'est pas comme vous autres. Il a son propre canal. Et ce qui descend pour lui sur sa connexion de cœur, sur son canal, même moi, je ne le sais pas. Et alors, je prête l'oreille, je suis capable d'aller écouter pour extraire. Ce qui qu qu lui est donné à lui, et euh, il est éligible à cela. Hein? Donc, c'est ce que Maurana Sheikh rappelle ici, que effectivement le serviteur, lorsque un certain nombre de pouvoirs s'ouvrent à son cœur, il n'est plus simplement un transmetteur, mais il devient une source littéralement. Alors, les chers de, de, de bénédiction, Sheikh al-Baraka, Sont souvent des chers qui vont, qui vont transmettre ce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas cette réalité euh, d'une connexion qui, qui coule de source. Et donc, lorsqu'ils reçoivent, au fur et à mesure qu'ils parlent, ils reçoivent un peu cette, cette information-là. Et Maulana Sher, il dit quand vous êtes dans cet état-là, alors dès que vous dites Allah, euh, le fait d'avoir dit Allah, Quiconque est équipé de récepteurs qui sont alignés, alors ce que vous avez dit, juste la mention du nom d'Allah, va se propager et il se propage sans limite. Il se propage avec une telle intensité comme une onde qui, qui, qui s'en va et qui n'a pas de limite. Comme lorsque vous jetez une pierre euh, sur, sur le rivage, hein, vous voyez que se forment les ondes et cela s'en va. Mais bien entendu, sur le rivage de l'eau, cela va finir par s'arrêter. Mais la parole du serviteur à qui on a ouvert ces, ces pouvoirs de cœur-là, alors lorsqu'il la, il la prononce, se crée une onde qui traverse l'intégralité de la matière et au-delà et se propage sans, sans limite. Alors, Marlon Cher nous rappelle que le premier niveau de l'aspirant, qui est sur la véritable voie de la sainteté, alors il est d'atteindre l'état de l'éveil. Hein? Donc une promptitude de, de, de la conscience, la conscience notamment de la présence divine, d'être constamment sous, sous son regard. Hein? C'est l'état de Ersan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit euh, lorsqu'il il a été questionné par سيدنا Jibril alayhi salam, euh, D'adorer Allah comme si on le voit. Hein? Car si nous, on ne le voit pas, lui, il nous voit. Mais c'est un état de conscience de cette présence continue, de ce regard continu. Et cela doit s'ouvrir au niveau du cœur. Donc, le serviteur doit être toujours conscient, toujours conscient de ce qui l'entoure et surtout de ce qui l'éloigne de, de Allah. Donc, il doit être à mesure d'avoir cette, cette prise de conscience et sur son cheminement tout est référencé par rapport à Allah. Soit une chose le rapproche, soit elle l'éloigne, et il n'est plus dans des dans des cogitations matérielles et dans des dans une logique binaire juste pour la, la donner. Mais euh, il, il nous rappelle, Maolachère, qu'on peut tout, tout, tout on peut quand même, sur le chemin, toujours succomber à notre ego à n'importe quel moment. Cet ego est si dangereux, il est si pénible, il est si pernicieux. Et euh, il nous dit, ne permettez jamais à votre ego de donner des ordres, surtout lorsque vous êtes, vous êtes comme cela. Hein, comme nous voyons aujourd'hui, malheureusement, sur, sur cette tariqa, sur ce chemin, dès qu'une personne devient en autorité, alors il commence à, à donner des ordres, il commence à demander ci, il commence à demander ça. C'est très rare même chez les mâchères. Je me souviens, mon cher Nazim, c'était très rare qu'il donne un ordre, car très peu de gens pouvaient porter les ordres. Mon cher nous disait si le chef vous donne un ordre et vous ne le portez pas, alors les conséquences sont excessivement graves. Et donc, il nous a rappelé on ne vous a pas mis en position pour diriger le groupe et nous représenter, pour que vous vous intronisez, pour pouvoir donner des ordres aux gens qui vous entourent. Cela n'est pas votre fonction. Alors ce qui est rappelé ici. Ne vous, ne permettez jamais à votre ego de, de donner des ordres. Car un moment d'inattention de la vigile sur l'ego suffit pour complètement anéantir ce qui nous est arrivé. Vous vous souvenez de l'histoire de Séna Daoud, alayhi salam. Il a suffi d'un instant pour qu'il entrevoie à travers une porte l'épouse de son, de son général qu'il a envoyé dans un combat perdu pour pouvoir récupérer cette épouse-là et Allah Azza lui a donné une, une, une leçon magistrale par la suite et c'est pour ça qu'il a cette fameuse doha que, que nous récitons Allahumma oh, on nafsi tafatin wa qala man ô mon Seigneur ne me laisse pas à moi-même à mon ego l'instant d'un clin d'œil et moi car c'est assez pour nous faire pour nous faire chuter. Donc nous avons besoin, c'est pour ça que nous avons besoin d'un guide à l'image la, à la, à de... de Maola Nacher prend l'image de, de l'avocat aujourd'hui que nous allons cons, 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 consulter lorsque nous avons euh, des, des, des problèmes et que nous sommes dans la, face à la justice, car euh, les, les moindres détails peuvent avoir des conséquences euh, inappropriées et déplacées. Et l'avocat connaît les obstacles, connaît le chemin, sait comment ne pas tomber dans les erreurs qui nous seront fatales, surtout si le cas est jugé important, ou est-ce que l'individu peut passer le reste de sa vie en prison, ou même dans certains cas être mis à mort, si jamais la peine de mort est encore valide dans certains, dans certains États. Euh, donc, euh, le, le Cher rappelle, euh, rappelle que le Cher a cette fonction-là. Parce qu'il connaît les pièges de Shaitan, il a une clé pour démonter les pièges de Shaitan et de l'ego, et c'est une espèce d'avocat spirituel. Égard, grâce à son pouvoir de connexion, donc le, le pouvoir de concentration, une espèce de pouvoir télépathique, il est capable d'influencer le cœur de son serviteur et d'y apporter l'inspiration. Hein il faut se rappeler que euh, ces, ces capacités-là sont dirigées pour les étudiants. Mais souvent, nous ne les écoutons pas, ou souvent, nous demandons quelque chose pour lequel nous ne sommes pas éligibles. Et, ou souvent, nous sommes empêtrés dans des situations où nous nous sommes nous-mêmes plongés et nous ne sommes pas intéressés par l'élevation spirituelle véritable. Notre intention n'est pas, pas sincère, parce qu'on entend souvent les gens dire oui, mais. Euh, moi j'ai besoin de tel ou tel support, j'ai besoin de tel ou tel regard du cher, mais ce, le chemin ne se fait pas selon ce que nous on veut, ce que nous on, on désire, ce que nous on a besoin. C'est eux qui savent pour le serviteur qui est sincère. Alors ils vont l'amener dans cet espace-là où ils vont littéralement ouvrir cette réalité entre leur cœur et le cœur du, du serviteur. Alors, ce n'est que le... Marlene Sher nous rappelle que ce n'est que lorsqu'on atteint les, les, les dix niveaux qui vont être décrits euh, par le, 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 le Mouride, alors que ces, ces six pouvoirs vont être euh, ouverts sur, sur le cœur du croyant. Et alors, lorsque le serviteur avance, il pourra purifier son être, tel Masjid al-Haram, tel le sanctuaire des sanctuaires. Pour qu'il descende la manifestation de son Seigneur. Car le Seigneur des mondes dit ni la terre, ni cieux, ni, ni, ni la terre ne peuvent contenir la manifestation d'Allah, mais le cœur du croyant. Et pour pouvoir mettre le cœur exempt de toutes ces, ces défectuosités, alors pour que se manifeste un espace consacré à Allah. Et nous finissons parce que le Prophète a dit dans une narration j'ai surpassé euh, Adam de deux, de deux manières. Hein? Il a dit, mon shaitan, euh, bien que mécréant, est devenu musulman avec l'aide d'Allah. Et mes femmes ont été une aide pour moi. Alors que le shaitan de Adam est resté mécréant et sa femme l'a entraîné dans la tentation. Alors, pour rappeler que même pour les prophètes, alors, il y a une possibilité d'avoir une défectuosité qui, qui lui est liée et il y a la possibilité de la corruption. Si un prophète peut avoir encore un shaitan qui est mécréant et une tentation, alors que dire pour nous Qu'Allah nous, nous garde sur le chemin de vérité, nous permet d'être éligible à cette réalité-là, nous permet de goûter au au chemin du, du disciple et d'être éligible, d'être parmi les mourides, inshallah par la grâce d'Allah, par la lumière de son messager, par le sanctuaire, des sanctuaires de ce mois de Ramadan, inshallah par la, la bénédiction et la guidance de ceux sous lesquels nous sommes en autorité, la hadratin